Et bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes le vendredi c'est le Let's Play Resident Evil 4 Remake qu'on a commencé donc du coup mercredi, qui est pour l'instant vraiment bien. Si vous êtes sur YouTube, vous avez vu la VOD précédente il y a quelques jours. Quand je dis il y a quelques jours, oui, il y a quelques jours, oui. Parce qu'en fait, j'étais en train de m'emmêler les pinceaux sur quand est-ce que tel VOD sort. Donc, oui, il y a quelques jours. Et du coup, vous avez vu que vraiment, pour l'instant, on s'amuse bien. Pour l'instant, c'est bien. Oh, il y a une tâche là. Bon, tant pis. Et ça partira sur le cours. C'est juste une tâche d'eau, de toute façon. Une goutte d'eau. Donc, oui, du coup, on s'amuse bien. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses embêtantes, si ce n'est moi et mes automatismes qui aient envie de jouer à Resident Evil 4 Remake comme si je jouais à Resident Evil 4 sur GameCube. Du coup, forcément, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est continuer donc Resident Evil 4 Remake, évidemment. Normalement, là, ce qu'on a à faire, c'est le Del Lago. Je sais pas si j'ai baissé la musique, si je l'avais baissé. C'est le Del Lago, en un premier temps. Puis ensuite, le premier passage, normalement, avec les Plagas. On va enfin avoir les Plagas, même si là, on a déjà des ennemis qui sont un petit peu désarticulés parfois. On a certains ennemis qui font un peu penser aux zombies rouges et aux zombies fast qu'on peut avoir au niveau de Resident Evil 2. Et du coup, après, ça sera Ashley. On récupérera normalement Ashley. Alors, je sais pas si on récupérera Ashley aujourd'hui, peut-être. Mais voilà, on devra sans doute récupérer Ashley avant d'arriver au château. On va donc couper la musique et lancer le game U. Je vais mettre déjà le son du jeu. Est-ce que je suis assez haut? Ouais, c'est vrai qu'on est un peu... Ouais, parce que du coup, je le baisse à cause de... À cause de... De l'autre capture. Parce que là, ça va. Ouais, ça va. Ça va mieux comme ça. C'est à cause de l'autre capture, en fait. Vu que j'ai trop zoomé... En fait, je devrais peut-être changer le zoom. Resident Evil 4. C'est marrant que le confirmé il est là. Comment ça se fait? Il m'a pas rechangé encore les paramètres ce con. Mais bien sûr que si. Non, c'est bon. Mais non, pourquoi je suis en 1080? Oui, voilà, c'est bon. Parce que moi je vois avec des bandes, parce que j'ai un écran 16 dixième et pas un écran 16 neuvième. Et donc du coup, normalement, bon, je sais pas pourquoi il me l'a mis en 1080 du coup. Histoire principale, continue. Je ne sais plus en fait où est-ce qu'on s'était arrêté, chapitre 3, oui, mais où exactement? Je sais pas pourquoi il me l'a mis en 1080p. Enfin, je sais qu'il y a une mise à jour de carte graphique. Il y a une mise à jour de pilote de carte graphique. Donc, oh oui, oh oui, oula, 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 oui, oula, le temps de loading, le temps de tout charger, oula, oula, c'est bon, oula, oula coco, c'est bon. Alors, du coup, ah oui, on en était là. On était là, on en était là, on en était où? Allez, tant qu'ils se mettent à la tour, tout recharger, ah oui, voilà. On était arrivé à l'église, on avait ouvert ça, là c'était fermé, parce que oui, souvenez-vous, normalement, dans le jeu original, là c'est ouvert, on fait ça, et on arrive au niveau du lac qui est ici. Il y a des sirènes depuis tout à l'heure près de chez moi, c'est bizarre. Sauf que là, du coup, maintenant, bah, c'est plus comme ça, on a ça ici. Là, on a la map qu'on avait vue, donc voilà, passer ici, pipil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 ip
Je pensais que l'os était en train de briller, mais pas du tout. Alors, soit c'est une zone où il n'y a pas grand-chose. Ah oui, d'accord, on arrive de l'autre côté. Oh, oui, malin le lynx. Comme ça, du coup, on est sûr d'avoir une salle de sauvegarde. Hein, pas con. Comme ça, maintenant, c'est ouvert, on est tranquille. Donc oui, j'allais justement dire, je sais pas si c'est le fait que la carte graphique s'est mise à jour ou quoi que ce soit, mais elle tourne largement moins, elle est largement moins chaude. Elle était très facile au niveau des 60 degrés, là, à la 50. Parfois, mettre à jour les pilotes, c'est intéressant. Bonjour. Ah oui, c'est pas... Waouh! Et il sort de son fiac. Alors en vrai, j'ai pas du tout tiré dessus. Voilà, crame. Ah ouais, du coup, il y a tout ça. Ah oui, il y avait pas ce décor-là, hein, sur console. Elle est pas droite, la caméra. Attendez. On peut faire tomber les gens, ça c'est bien. Ah mais vous commencez à m'ennuyer avec le port. Ah non mais... Tuer avant qu'il se transforme. Désolé, j'ai glissé. Pas du tout. Le loot en tout cas. Des munitions. Donc oui, je disais. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que oui, il n'y avait pas tout ce décor là du tout. Ah ouais, d'accord, on est... Là-bas, il y a un truc. Est-ce qu'on peut monter? Oui, on peut monter, évidemment. Ben, montons. Oui, bonjour. De l'argent. Grenade. D'ailleurs, vous êtes... Vous êtes tous, oui. Faut j'arrête de recharger pour rien. De l'argent. Suivant. Ah oui, mais non. Bah oui, mais oui, mais oui. Ça me rappelle Blood Omen hier. Putain. Ça me rappelle Blood Omen hier où je me suis dit, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, tu te fais enchaîner comme un chien. Voilà, merci. Reprenons sur de nouvelles bases. Bonjour. Hop. Argent. Munitions. Hein? Ah oui, donc du coup l'argent revient ici, ok. Hop. Hop.
bah ok. Ça va, là c'était classe. Là ça va, c'était classe. Ok, alors du coup, on doit monter. Pour aller récupérer les balles. Oui, c'est vrai. Balle, grenade. Alors, Micheline. Come on, Micheline. Ok, touché. Oh, tu m'embêtes. Désolé, j'ai glissé. Ok. Oh non. Je l'ai pas tué. Oui, rester dans le feu, c'est pas mal aussi. Merci. Il est où Jean-Michel? Ah non, c'est parce qu'il est brûlé. Ok. Bon, attendez, on va aller chercher le loot quand même. Poudre noire, munitions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une vipère. En fait, il faudrait que j'en trouve du coup une nouvelle pour la vendre au marchand. Parce que maintenant, il y a des petites missions secondaires qu'on peut faire avec le marchand. Donc du coup, il faudrait que j'en trouve une troisième. Qu'est-ce qu'on peut se faire avec ça? Pas le bon bouton. On peut se faire des munitions de pistolet. Bah, on va peut-être attendre pour se faire des munitions de fusil à pompe en fait. Parce que pistolet, on va en retrouver beaucoup. Donc, il n'y a peut-être pas grand intérêt. Grenade. Oui, bon, bah oui. Continuons. Ah oui, c'est vrai que... Attendez, vas-y une seconde. Ou bien un truc, très important. Ça s'arrête jamais. On va peut-être se barrer. Mais j'ai oublié un truc. Passer par là, j'ai bien un truc très important qui rajoute au niveau de l'ambiance. En plus, je l'ai préparé en plus, mais j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire. C'était dit la dernière fois. Le délire. Oh, c'est bien ça. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Je pense qu'on peut le trouver assez facilement, en vrai. Et ce sont des médaillons. Alors, quelqu'un pourrait détruire ces médaillons bleus. La zone est polluée par leur présence. C'est insupportable. Détruire tous les médaillons bleus. Carrière, firme, piscicole. Piscicole. Y a. Carrière, c'est là. Il y a un médaillon bleu ici. Ok, il y en a un là, un là, un là, un là. Ok. Objectif intermédiaire. Tente de tir. Ah oui, on est là. Pardon. C'est bien parce que du coup, ils ont vraiment gardé plein de trucs. Surtout le fait que les corbeaux donnent... On entend le giganté. Donc je disais surtout que les corbeaux ouais, donnent des trucs. Ça c'était dans le jeu d'origine et ça c'est trop bien. Okay. On va se barrer du coup. Eh, c'est vrai qu'on passait là déjà avant. Je me souviens maintenant.
pas la clé du coup que j'ai utilisé, c'était autre chose. Ah oui, mais là c'est le marchand du bateau. On n'a pas encore accès. Si. Ah bah si. Ah ouais, parce que du coup plus tard on arrivera d'ici. Du coup. Salut étranger. Welcome stranger. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. C'est vrai. Le cashback, au lieu de laisser tes armes inutilisées prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Vends. Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas l'Astérix ou de petites lignes cachées, il n'y en a pas. Bien. Ah oui, du coup, tu peux vraiment acheter, modifier, acheter, racheter ce que tu veux, quoi, en fait. Ah, ok. Ah, Strange. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Alors, c'est vrai qu'on a 13 000 boulasses. Les armes sont entre de bonnes mains. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le diamant. Est-ce que ce sera tout? It's not all, stranger. Tout et n'importe quoi. Bah, en vrai, du coup, est-ce qu'on revendrait pas le SG-09? Si on peut le racheter. Ça nous ferait déjà ça. Qu'on pourrait revendre à prix d'or. C'est déjà ça qu'on pourrait revendre. Ce serait qu'on aurait 26 000. 26 000, 26 000. 26 000 pour en faire quoi? C'est ça le truc aussi. Qu'est-ce qu'on se ferait? 26 000. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus? C'est ça le fusil, je l'ai acheté parce que la lunette était gratos. Mais en vrai, on va pas s'en servir tout de suite. Parce que du coup, bon, évidemment, si le jeu suit le déroulement de Resident Evil 4, là, donc du coup, on a le Del Lago. Del Lago, théoriquement, on s'en fout de l'arme. Ensuite, on a le petit endroit, bah, la ferme piscicole. Là, on s'en fout du fusil. Ensuite on retourne à l'église. On s'en fout du fusil. Parce qu'après il y a le El Gigante et tout ça. Ah non, le El Gigante on en aura besoin, mais passera longtemps. On aura besoin d'argent, ouais. Parce que du coup, si c'est le même délire avec le Plaga qui sort, on aura besoin. On en aura besoin. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas foufou. Essaie d'y faire attention, d'accord. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Oh, ouais. Bien joué, étranger. On va déjà vendre ces deux vipères là, parce qu'au moins comme ça c'est fait. Est-ce qu'on revend le flingue de base? Ça, j'ai bien envie de le garder pour le sertir. Sur quelque chose. Bon, on va voir. De toute façon, là, on a 11 000. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter d'autre? 5 000 un spray, on en a déjà. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Parce que le TMP, j'aimerais bien l'acheter quand ça sera la cabane. Mais la cabane, c'est plus tard. Parce que le TMP pour la cabane, c'est intéressant. En quoi elle va pas te faire tuer, hein? On va garder ça pour l'instant. Parce qu'on a une pièce hexagonale. Ok. Alors déjà, il y avait de la ferraille ici. Et surtout, il y a une machine à éclair que je n'ai pas vue. Je suis aveugle. Et derrière moi. Ah oui. N'oublie pas. Merci la map. Là. Oh, car ma feu rime avec jeu étrange.
Putain, on a des grenades. Ouais, non. En fait, je me disais, est-ce que je vais déposer des grenades? Mais en fait, on s'en fiche pour l'instant. Donc bon. Parce qu'on aura peut-être besoin de beaucoup. Ah. C'est là qu'ils vont jeter le corps? Non, c'est un policier. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là-bas, on a une énigme. Génial. On aime ça, les énigmes. Énigme Capcom, c'est toujours un régal. C'est toujours un succès, comme dirait l'autre. Carburant pour le bateau. Nous avons rangé le carburant pour le bateau avec celui du groupe électrogène dans le bâtiment de traitement de la ferme piscicole. N'importe quelle quantité que vous avez besoin. Munitions. Formidable. Alors. Du coup, il y a un truc là. Ok. Il en manque une. Herbe jaune, cool. De l'argent, encore mieux. Ça, je prends. Ah bah du coup, on peut la combiner avec ça. Voilà. Ça, on aura besoin. Du coup, il en manque un, d'accord. C'est obligatoire pour avancer ou pas? Piédestal en pierre. Objectif intermédiaire. Ah, mais il y a un médaillon. Ah oui, le médaillon, je l'ai... Ah, mais oui, celui-là, je l'ai pas fait. Bravo, le veau voté. Bon, après, oui. Il y a un médaillon. Il est en bas, à mon avis. Voilà, bravo. Est-ce qu'on va vite fait remonter pour se faire le médaillon qu'on a oublié? On peut parce qu'on peut peut-être pas remonter tout de suite. Il était où? Ah oui, il était au niveau du Del Lago. Del Lago. Au niveau du El Gigante là quoi en fait. Bah en fait on reviendra. On reviendra. Donc en fait on se le refera à ce moment-là. Faudra juste pas que j'oublie. Qu'est-ce qui se passe? Ils Ah, il auraient pu faire le plein. Oui, d'accord, faut vraiment le remplir. Bah, du coup, faut aller là-bas. Il faut du coup aller là-bas. Alors, allons-y tranquillement. Bonjour, je suis le dératisateur. Où est-ce qu'on est? D'accord. 1, 2, 3. 3 petits chats. Carburant pour bateau. D'accord. 3 vilains. Merde.
C'est pas ma journée. Dans un bon. Entrer dans ma maison. Ah oui, on est là. Bonjour. Je savais pas. Attendez, 2 minutes. Mais pourquoi ça serait E pour esquiver alors que ça a toujours été F pour frapper? Oh bah on est mal hein. On est mal. Un petit cadeau. Je peux taper le monsieur. Non. Il a pas l'air de vouloir taper le monsieur. Alors bah on va pas taper le monsieur et on va réutiliser un truc. Très bien. Voilà. Un bleu velours. C'est chaotique, mais ça va. Il y a trop de touches dans votre jeu, c'est pas possible. Mais je clique au moment où il y a le truc, il n'y a plus le truc. Dessus. Ah bah dis donc. Je comprends pourquoi ils ont mis herbe rouge, herbe verte et tout ça parce que... Ah bah dis donc. Ah c'était une salle... intense. Je crois savoir du coup où on est. Allez hop, une autre vipère à vendre. Parce qu'en fait, du coup, ils ont mis cette zone là ici, quoi. Qui est plutôt cohérent en fait, parce que à la base, ça c'était pas là, quoi. Du coup, il y a un truc bleu là-bas. On le voit, on l'a vu. Pas simple. Après, il y a un autre truc bleu, il est par là. Il y a des bruits bizarres un peu partout. Ah.
Rien, truc bleu. On va exploser la vipère. Il est où? Il est par là. Non, il est pas en l'air. On va voir, on va aller voir. Ah mais elle est... qu'est-ce qu'elle fout là elle? Salut. Alors, où est-ce qu'il est ce truc? Il est par là. Mais où? Bon, allez, on va attendre qu'ils viennent. Hein. Allez, venez. Venez, venez, venez. Si j'arrive à viser, ça marcherait mieux aussi. Oh bah après, si elle se transforme et qu'elle monte, ça va. En fait, ça marchera aussi. À moins qu'elles peuvent, qu'ils peuvent sauter. Mais il y en a combien? Bon. Ah! Oh, un rubis! Ça, c'est bien. Bon, du coup, je sais pas où il est. Ah putain, mais il est en dessous. D'accord. Ça c'est pour là-bas. Non, je voulais pas faire ça. Ok. Bon, de l'argent. Un œuf de poule. Œuf de poule. Carburant pour bateau. Ça, ça devrait me servir. Ok. Rien d'autre. Ok. Ah du coup de toute façon on est obligé de passer par l'autre côté. De toute façon.
Qui est le gogol qui allait se faire exploser? Bref. Alors, du coup. Là, du coup, on pourrait, au pire du pire. Bon, après, j'ai deux vipères, donc je pourrais toujours m'en réutiliser une pour gagner de la vie. Je vais mettre là. Il nous reste 4 grenades. Ah non, j'ai 3 vipères. Ah oui, bah donc du coup, oui, c'est bon, on peut en utiliser deux pour récupérer de la vie. On en vend une, on gagne les 3 spinels. Et puis, oui, donc non, ça ira. C'est vrai que là, par contre, il me manque beaucoup de des munitions de flingue. Même si, bon, du coup, pour l'instant... pas beaucoup d'utilité... Enfin, voyons ce qui va arriver. Ah ok, il faut 3 pièces. D'accord. Ok, il faut 3 pièces. Ok, bon, bah on verra. On verra. Après, j'hésite quand même. Parce que je sais pas si on crève au Del Lago, est-ce qu'on reprend au Del Lago ou est-ce qu'on reprend avant. Donc je me dis, est-ce qu'on irait pas sauvegarder? Et donc par conséquent, revendre le... au moins 2 vipères. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Ça, on peut le revendre. Les là, on va en vendre 2. Te serviront à rien dans la tombe. Bon, on va déjà vendre ça. Parfait. T'es un vrai professionnel. Come back anytime. Du coup. Bon travail. Ah, c'est 4 spinels en Est-ce plus. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 4 spinels? Bah pas grand chose, hein. Une herbe jaune, pas d'intérêt tout de suite. Carte des trésors. En vrai ça peut être intéressant, mais faudrait qu'on ça sera quand on retournera au village. Donc au pire pas tout de suite. Quand on retournera au village, peut-être que je la prendrai. Bah, les trésors du coup du village. Diamant jaune, pour l'instant, pas d'intérêt. Et ça, c'est, du coup, ça peut être aussi pour le Punisher. Mais du coup, il m'en faut à ce niveau. Bon, on va attendre. On va garder les spinels. Elle va pas te faire tuer, hein. Ah. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais dû racheter un... Oh, quoique... J'aurais dû racheter un spray, mais c'est pas grave. J'ai un soin en stock, j'ai la vipère qui peut me rendre un petit peu de vie. Donc après, si vraiment on meurt. Tant pis. Il y aura forcément un marchand sur la route. Glou glou glou. Ah bah tiens, ça tombe bien, moi aussi je vais glou glou. Allez. Sans déconner.
Oh, on voit le château de loin. Oh, c'est trop bien. On voit le château de loin. Hello there. Le truc qui est bien, c'est qu'ils ont retiré beaucoup de QTE et ça, c'est cool. Allez. Est-ce que c'est comme, comme dans le jeu original? Ou est-ce qu'il y a des trucs en plus? Ah oui, là, ça, c'est... Tu crois que tu vas m'avaler, hein? En vrai, on pourrait sniper, hein, en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de distance vraiment limite. Ah, j'ai même pas regardé s'il y avait le easter egg où on se fait avaler par le Del Lago. QTE ou pas QTE? Ah, ils ont enlevé du coup la QTE. Ah d'accord, ils ont... Ah ouais, du coup ils ont mis ça à ce moment-là. Ok. D'accord. Ah bah, chapitre terminé. Oh bon, bah, c'est pas très bien. Ok. Parfait. Et du coup, on n'a pas encore eu d'autres mallettes. Donc on l'a fait en 50 minutes, 37 ennemis tués, une mort du coup. 80% de précision, ouais, alors là, oui, c'était... Là, ça a été... Waouh. Mais ouais, du coup, parce que dans le jeu original, en fait, on se faisait enserrer la jambe, il fallait couper le couteau. Notre corps le plus sacré, ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction pour toujours. Ah, on se réveille sur le bateau. Ok. On se réveille sur le bateau. Par contre, il coule un petit peu le bateau. Ok. Donc nous voilà de l'autre côté du lac. Il commence à faire nuit. Condor 1 à Perchoir. Tu me reçois? Condor 1? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé.
J'ai envie de taper des tonneaux. Chapitre 4. Alors. Oh, la casquette d'un des policiers, donc. Cartouche de fusil à pompe. Deux cartouches, mais donc. On va pas aller loin avec ça. Ah bah oui, du coup, la nuit égale... Donc on est de l'autre côté, grotte aux peintures, clé de l'église, et le fameux bateau. Bateau qui nous ramènera normalement au niveau du marchand. C'est un peu ça l'idée. Ok. Où est-ce qu'on est exactement ? Les autres sont en train d'invoquer Satan. Blam. J'ai pas de... Non. C'est eux. Ah oui, donc on est bien à ce moment-là quand même. Oh putain, ils ont déjà... Ils ont déjà des glyphes. C'est pour ça qu'ils ont donné deux cartouches. Oh putain. Eh ouais. Welcome to hell again. Donc si on est quand même à ce moment-là du jeu où on découvre les premiers plagas. Ok, un hôtel sacrificiel. Et donc là, à partir de maintenant, les ennemis auront des plagas. C'est génial, on s'éclate. Ok. Bah continuons. C'est quoi cet endroit ? C'est une grotte, Léon. C'est team premier degré. C'est quoi ça ? C'est une grotte. On dirait une sorte de sanctuaire. À vous, hein. Le même symbole qu'à l'église. D'accord, une énigme KCOM. Donc il faut mettre un truc sur les deux mains. En effet. C'est le lac. D'accord, c'est le lac. Lieu indiqué par la peinture. Lieu indiqué par la peinture. Génial! Non, attendez une petite minute. Ne me dis pas qu'on va pouvoir conduire le bateau. Ne me dis pas qu'on va pouvoir conduire le bateau. La clé des petits hôtels. En plus, c'est un Metroid. Non, attendez. Capcom, vous avez fait de Resident Evil 4 un Metroidvania ? Qu'on aille me chercher un œuf de poule doré ! Qu'est-ce que je vais en faire ? Il y a des choses que vous ne voulez pas savoir, n'est-ce pas ? Je vais me le mettre dans le fiac ! D'accord. Ne me dis pas qu'on va conduire le bateau. Après, vous vous posez la question, comment on fait un bon remake ? Elle a demandé à Capcom. Hein. Eux, ils savent. Hein. Il n'y a aucun problème. Parce que si maintenant, on a la clé des petits hôtels, donc on peut ouvrir les petits hôtels. On peut ouvrir...
Et oui, parce que du coup, là, il y avait un petit hôtel. Là, il y avait un piédestal en pierre. Et là, il y avait des trucs. Là, il y avait un petit... Bref. Soit on va là-haut tout de suite. En fait, c'est la meilleure solution. On va là-haut tout de suite. On revient. Boum. Et puis en avant. Et là, il y a un petit truc même. Oh bien. Ah non, mais c'est là le petit truc. Oh. Ah non, ça c'est le hangar à bateau. Ouh, petit zigougoui. C'est là le petit zigougoui? Ouais, c'est là. Ah, mais il y a des poules! Et du coup, on peut avoir un œuf doré. Ah là, déjà, on a deux de poule. Je cherche après un œuf doré. Un œuf de poule brun. Yes! Non, mais vous avez. C'est juste trop bien, quoi. C'est trop bien. C'est juste conduire un bateau, mais pouvoir conduire sur le bateau, enfin conduire le bateau sur le lac. C'est juste trop bien, quoi. Y a rien. C'est juste trop bien. Mais j'ai hâte, c'est du château, j'ai hâte de tout ça. Ça va être... Mais... Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Ok. J'arrive. Je récupère mon papier. Je fais du bruit. Hein. Je récupère mon papier au cas où. Un truc de fusil à pompe. D'accord, ok. Alors je vois hein, les trucs. Hein. Ok. Alors, on a. Alors c'est. Ok, bon. Alors, on a ça. Par contre, je ne sais pas dans quel ordre. Un truc comme ça. On a un truc comme ça. On a un truc comme ça. Ça ressemble à un B. On a un truc comme ça. Qui fait ça en gros. Et en bas, il y avait un... Il y avait trois trucs. Trois spermatos. Comme ça. Alors, ok. Alors, est-ce qu'il y a un ordre précis ou est-ce que c'est les trois... Parce que sinon, on a... ça. On a le B. Donc, c'est ça. On a les trois spermatos. Ok. Je sais pas pourquoi j'en ai vu quatre alors. Ils doivent être liés à un autre. Je me suis dit oui. Ah, on va pouvoir.
On va pouvoir tout... Ah, mais... Non, c'est pas là. C'est là. On va pouvoir revenir ici, en fait. Et faire le truc là. Non, mais franchement. Tête de blasphémateur. C'est dégueulasse. Mais en vrai, c'est trop bien. Oui. En vrai, c'est trop bien d'avoir fait un système, je vais pas dire de Metroidvania, mais presque, de te dire putain, mais là du coup on récupère ça, on a le bateau, on peut maintenant faire le tour du lac. C'est débile, mais c'est trop bien. Du coup, dans mon idée, ce qu'on peut faire, c'est aller de l'autre côté. Ouvrir du coup le truc, aller voir le marchand, lui vendre son œuf, alors du coup. Très simple. Idole corrompue. Objet destiné à être vendu. On peut pas le sertir. Ok. 15 000 balles. Eh ben dis donc. Bon, ça du coup c'est ouvert. Du coup. Moi j'aimerais bien aller voir le marchand. Hello. J'ai de nouveaux articles. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Soon. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Ah oui. So soon. Mais ça, c'est pour El Gigante, du coup. T'achètes le lance-roquette, El Gigante, en avant, quoi. 80 000. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Et... Oh oui, ah oui, d'accord. Oh, ok. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. I got some rare things, stranger. Trésor oui. Ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Parfait, t'es un vrai professionnel. Bon travail. Alors, quoi puis-je t'être utile? La mallette noire fait apparaître comment de la ferraille grande plus souvent. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. En vrai, pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? En fait, il y a plein de trucs intéressants, du coup, là. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. En fait, là, il y a plein de trucs intéressants, parce que, du coup, il y a... Il y a la mallette qui est intéressante, le lance-roquette qui est intéressant. Évidemment. Mais la mallette, c'est intéressant. Lance-roquette, c'est intéressant. J'ai plein de choses intéressantes. Ça, c'est intéressant. Ah! Mon dos après, quoique avec la ferraille, on peut pas faire. En fait, ça c'est bien pour quelqu'un qui va jouer lance-clou ou lance-machin. Parce qu'avec la ferraille, on peut faire du coup des pieux et tout. Mais là, du coup, oui, pour nous, c'est pas grand intérêt.
Ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut mettre nos deux rubis et notre diamant. Donc, vendre ça hyper cher pour deux spinels. En vrai, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que comme ça, on va pouvoir lui insérer ça, ça et ça. Hôte, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Merci. Ok. Alors maintenant. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Je veux bien prendre la mallette tout de suite. Comme ça, moi, on serait tranquille. En quoi puis-je t'être utile ? Après, est-ce qu'on peut modifier le flingue ? Est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Donc, on passe de 1,10 à 1,40 là-dessus. À tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau ? Ah oui, on peut même augmenter le couteau. J'avais pas vu ça. Ah oui ! Ah oui, donc on pourrait même avoir un couteau qui fait peut-être aussi mal que le flingue, du coup. Là, c'est pas mal. Oh, il y a tellement de trucs. Tellement de trucs. Bon, on va prendre la mallette. Des dimensions plus qu'honnêtes. Même si la taille ne fait pas tout, pas vrai. Ça, c'est toujours utile. Ça c'est toujours utile. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère ? On commence à bien cerner tes goûts étrangers. C'est un rechargement plus rapide. Ça t'épate, hein ? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Voilà, on va est-ce déjà faire ça. Reviens quand tu veux, surtout. On va déjà faire ça. Comme ça, plus de... Alors si on va dire, ouais, mais le lance-roquette, on trouvera. On trouvera des choses à vendre, on trouvera toujours des trucs. Hop. Ça, on garde. Ah oui, je pourrais sinon faire des munitions fusil à pompe là, ouais. Au moins ça c'est fait. On a pistolet, bon, pistolet on va essayer de le trouver. Enfin, de trouver des trucs. Ça c'est bon. La vipère c'est au cas où. Les œufs c'est au cas où. Okay. En fait là du coup, le seul truc ça sera El Gigante qui va être emmerdant. El Gigante qui va être emmerdant et du coup attends on peut pêcher ? Est-ce qu'on peut pêcher ? Ça prend de la place, mais en vrai, c'est vraiment bien pour récupérer de la vie. Oh là 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 là. Ah non, mais je suis épaté du fait qu'ils ont. Toute cette phase là, je la trouve trop bien. Ah, mais on n'est pas du tout à l'endroit de jouer. Ah, mais on est à l'endroit du marchand. On n'est pas du tout à l'endroit où je voulais. On est à l'endroit du marchand. Qu'il y a des gens.
Ouais, le fait d'avoir fait de toutes ces trucs. Toutes ces trucs, un truc de. Où tu peux te balader et tout, je trouve ça trop bien. On peut pas couper la lampe. Bah oui, il y a une lampe, connard. Il est pas con. Oui, il est pas con, mais... Ok. Ça va, c'est bien. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Je le savais. En un sens, économisons nos balles, hein, si le mec qui se crame tout seul. Ah mais du coup, est-ce que j'ai suffisamment pour... À la base, c'était ce qu'on devait faire, c'était faire des munitions de fusil et ensuite faire des munitions de pistolet. Sauf que tu es dans la grande grotte, donc il faut monter. En fait, il y a deux choses que... Ah oui, très bien, ouais, bien, bien, bien. Ah, très bien. En fait, le système de combat est hyper dynamique. Vraiment, tu peux vraiment faire des trucs vraiment bien, quoi. C'est vraiment le système de combat est hyper dynamique, mais faut en fait ne pas avoir les réflexes de Resident Evil 4 de base. En fait, c'est vraiment un autre jeu. Alors, du coup là, c'est deux baleines en quelque sorte.
faut savoir bien viser quoi. Ah, et du coup, en fait, le truc c'est ça, c'est que. Ok. Alors là, on a. Ok, on a un truc comme ça. Une sorte de X. Ok. Est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'il va se retourner? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est en bas. Hop, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est là, vous. Oh bonjour. Oh merde. Ok. Pour l'instant j'en ai que deux. Deux trucs. Ah ça c'est bien par contre. Alors est-ce qu'il y en a que j'ai pas vu de signes? En fait, ce qui est rigolo, c'est vraiment d'avoir transformé Resident Evil 4 en jeu d'exploration limite. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Même au début, hein, c'est parce qu'on a fait un petit peu en ligne droite, un peu comme on pouvait. Mais en fait, je trouve ça vraiment bien. Vraiment, le château, ça va être vraiment rigolo, quoi. Donc là, on a nos deux baleines. C'est la baleine. Ah, mais là, on n'avait pas vu. C'est une chaise de réalisateur. C'est ça. Ça et ça. Ok. Alors, on avait les deux baleines. On avait le X. Alors du coup, ça doit être ça. Et on avait la chaise de réalisateur. Alors, c'est ça. La tête d'Aposta. Ah oui, d'accord, il y avait ça. Ok. Ok. Cassons-nous maintenant. On a rouvert la porte exprès, donc autant courir. En fait, je veux voir si on peut les... Est-ce qu'on peut les... On peut pas les cibler. Du coup, ils viennent pas. Ah si, là-bas. Ah, loupé. Loupé. Il est où? Oh allons. Mais je suis juste là en fait, Michel. Ah
Oh, ça, et ça le tue pas d'un coup? Ouais, c'est pas là. Ah, du coup, ça le tue pas d'un coup, quoi. Ah oui, mais du coup, on sait pas. C'est l'un ou l'autre. Ok. Le insigne en l'un. Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Ok. Alors, repartons à l'église. Donc, du coup... Bah, du coup, tout droit... oui, tout droit direction marchand, en fait. On va pas s'embêter. En plus, on voit le marchand à l'étage. C'est ces petits détails qui... On a c'est vraiment un nouveau jeu. Hein. Il y a pas à chier. Hein. Franchement. En fait, c'est pour ça que vraiment ils ont tout compris parce que. Ah, il faut juste une petite clé. Il n'y a pas de petite clé. C'est pour ça qu'ils ont vraiment tout compris parce que il y a ceux qui aimaient le jeu de base qui sont aux anges. Il y a ceux qui speedrunnaient le jeu qui sont aux anges. Il y a les nouveaux joueurs qui sont aux anges. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment tu veux pas. Comment tu peux te dire bah non, c'est pas bon quoi. Ouais, alors du coup. Bon, on n'a pas l'argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai. S'il te reste des choses à. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va se le tenter sans le truc. Car tu ferais bien de t'en occuper. Bien. Le poisson, il coûte. Il se vend combien? 800 balles? Et c'est vrai qu'en fait. Tout et n'importe quoi. Je sais pas si le nombre de poissons est aléatoire. Mais en vrai, tu peux pêcher à mort. Il faut que tu pêches 100 poissons. 100 poissons, t'as 80 000 balles, tu peux acheter le lance-roquette. Est-ce que ce sera la prochaine fois? Achète quelque chose. Alors, El Gigante, nous voilà. Ah oui, du coup. La clé des petits hôtels, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une lampe papillon. Qu'on peut sertir, donc on va attendre. Allez. Allez. En fait, déjà, je ne sais déjà plus la technique de base, en fait. Alors, on a des mères? Ah oui.
Alors l'esquive c'est E. Oh oui, mais ils ont gardé l'attaque de mêlée. Oui. Ah, trop bien. Trop bien. Ils ont quand même gardé la QTE. Le loup qu'on a sauvé au début du jeu. Le dogo. Mais oui. C'est le dogo. Je savais plus qu'il attaquait. Mais oui, mais j'appuie sur E, mais j'appuie trop tard parce que mes doigts ne sont pas au bon endroit. Ah, mais donc du coup, ah, mais quand ton couteau est cassé, tu l'as dans le fiac, mon tafiac. Oh, allons. On va peut-être reprendre de la vie au cas où. Merde, c'est pas passé loin. Okay. Et ben voilà. Pas besoin du lance-roquette. Diamant jaune du coup. Ah oui, il te donne plus 3 milliards 500 000 d'argent, il te donne un diamant à sertir. Ça tombe. Bah, ok. Bah en fait, on n'a pas tant perdu que ça. On va recharger un peu tout. Non, bah, c'est très bien. Dogo, tu es où mon petit Dogo? Bah ouais. Merci. Gentil le dogo. Ah oui d'accord. Ah oui, puis là on a même pas été. On a même pas looté ici quoi. Let's go. Let's go. Ouais, on va faire des cartouches puis diapompe. Parce qu'on a déjà 50 balles de flingue, c'est quand même pas mal. Ça c'est bon. Ferraille G. Mitraillette ou fusil, ouais, faudra qu'on voit. On peut le mettre là. Ça, on peut le ranger là. Ok. Et bah, parfait tout ça. Hop, en plus des munitions de pistolet encore. Bon, bah, dis donc, c'est la fiesta. Il y a de la poudre noire qu'on n'a pas vue. Ah, puis il y a un médaillon. Il est où le médaillon? Il y a un médaillon qu'on n'a pas fait. Ah ouais, du coup on peut aller là. Journal de croissance. 6 mois. Ces dents viennent de percer, mais ils s'en font tous. Tout ce qui se trouve à sa portée de sa bouche. Il ne peut pas encore marcher, mais il a avalé un chien tout entier. 9 mois, et déjà plus grand que moi. Mais sa croissance ne semble pas vouloir s'arrêter. Il semble être allé trop dans sa maison communale. 10 mois. Nous avons déplacé dans la carrière, mais il continue de grandir. Il est capable de dévorer une vache entière en seulement 3 jours. 13 mois. Il peut brandir notre plus grande pioche comme si c'était une brindille. L'un des hommes du village a bien failli se faire manger aujourd'hui. Il lui faut plus de nourriture. 17 mois.
Il n'en reste plus que quelques vaches. À ce rythme-là, tout le village va manquer de nourriture. Nous avons demandé de l'aide au château et ils l'ont endormi à l'aide d'une incantation. Espérons qu'ils s'en aillent pas si tôt. Oh, il y a un Blue Velvet. Oh, génial. Le truc, il est là. Et voilà. Le dernier. Cassons-nous. Et j'allais oublier de récupérer encore ce fameux truc. Il est où ? Là. Cassons-nous. Du coup, c'est quel chemin ? Peu importe. On a pas vu si c'était ce chemin-là. Il n'y a rien qui vaille quand même, tous ces bruits, sous tous ces bruits. Ça me dit rien qui vaille. Ah oui, non, d'accord, c'est le panneau. C'est là qu'on va voir qu'ils se transforment eux aussi. Eh merde. Ok. Ok. Hop. Est-ce qu'il y a le... Je viens vous aider. Est-ce qu'il y a le même truc? Ah oui, première munition pour mitraillette. Oui, donc va falloir prendre le TMP Soon. Soon TM. Le bouton bleu. Oh, ça sent encore une énigme à la Capcom. Les carreaux. Ça, les carreaux, on va pas s'en servir pour l'instant. Petite clé, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Bah mettons le bouton bleu, hein, évidemment. Oh là là, ok. Oh, c'est encore pire que celle d'origine. Aïe aïe aïe, ok. C'est encore pire que celle d'origine. Ok, donc du coup, celle-là, il faut la mettre là. Celle-là, il faut la mettre là. Celle-là, là. Ah, mais il y a une herbe ici. Il y avait de l'herbe partout. Parce que du coup, le lance-carreau, on l'a pas, donc... Ouais, faudra voir si on peut le mettre dans le coffre, un truc du genre. Alors, Ashley. Est-ce que tu... Vous êtes là ? Est-ce que tu vas être aussi... Donc elle est pas si enquiquinante que ça dans le jeu d'origine, c'est juste que il faut juste faire gaffe en fait, c'est sa mission. Oh, son téléphone. C'est juste la mission de Léon de protéger Ashley, donc forcément. Ashley. Ashley Graham, vous êtes là? Ah mais. Laissez-moi. Écoutez. Calme avec ça. Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Et... Ah oui, forcément. Ok, super.
Hey, c'est dangereux dehors. Tandek. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Quoi? Ah oui, ben oui, forcément, on les voit déjà. Les agneaux égarés s'enfuient. Offrez-leur don. Le salut. Là, c'est bien parce qu'on comprend que elle aussi, elle a été injectée. Pas besoin d'une cinématique montrant. Voilà. On comprend tout de suite. Ok, elle a été infectée. Eh ben très bien. Il était assez rapide ce chapitre, dis donc. On a fait quoi? 43 minutes, 19 ennemis tués. Un petit peu plus de précision. Continuons, tranquillement. Donc là, du coup, c'est direction le château, normalement. Normalement, c'est direction le château. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Un Scrabble. Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi. Et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. Je vais ramener la coupe à la maison. D'accord, Léon. Ah ben, du coup, et forcément... Alors. Très bien. Fichons le camp d'ici. Chapitre 5. Ok. Là, tu veux ton téléphone? Prends ton téléphone, il est là. Eh bien. Michel. Moi? D'accord. Bah oui. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, on peut monter. Donc, du coup, faire monter Ashley pour. Débloquer des trucs, ça nous servira au village. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'issue. Bien sûr. Toujours une issue. Mine adhésive. Trop de trucs qui en fait, bon. Bah, du coup, on va descendre là, hein. Surtout qu'il faudra que soit on mette dans le coffre, soit... Ah mais non mais je suis con, ouais, j'aurais dû mettre dans le coffre à la sauve... à la sauvegarde. Yeah. Allez. Ça va aller, Ashley. Le même plan que dans le que dans Resident Evil 4 original. J'allais dire, en fait, j'adore le moteur de Resident Evil, le moteur graphique, parce que vraiment la pluie, mais c'est voilà, le personnage il est trempé à mort, quoi. Je trouve ça, c'est juste con, mais je trouve ça trop bien. Hier soir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon. Bonjour. Hey. Fais vite, le temps se dégrade. Terminé. Ah, j'avais pas remarqué, merde. Profanation, ces jumeaux de malheur. Ils nous ont trahis en rejoignant ce culte maléfique. Ils ne méritent pas de reposer en paix. En paix. Quelqu'un pourrait détruire les emblèmes gravés sur leur pierre tombale, détruire les emblèmes sur leur tombe de Spinel. Aller au point d'extraction. Ah oui, c'est... C'est loin. Comme ça, au point d'extraction. La ferme, elle est là. Il y avait quoi, là? Je me souviens même plus. Je me souviens plus. Machine à éclair, oui. Du coup, pierre tombale. Comme je disais, ça va être dangereux. Une broche. Ah putain, la broche, elle est là. D'accord. On n'a pas la vie d'Ashley.
Elle a pas de vie du coup ? Enfin, elle a pas de vie. Elle a pas de vie. Ordre à Ashley. Donc appuyez sur CTRL pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Garder Léon et Ashley proches l'un de l'autre s'avérait efficace pour courir au milieu des ennemis. Appuyez sur CTRL pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Rester à l'écart pour demander à Ashley d'éviter certaines attaques ennemies. Ah oui, donc du coup tu lui dis de s'éloigner et après donc du coup l'IA... Alors ça c'est bien. Parce que du coup l'IA elle est pas coconne comme dans le jeu original. Si tu lui dis de t'éloigner... L'IA va quand même avoir un instinct de survie et se barrer, quoi. Oui, ça va pas être le seul souci, j'ai envie de dire. Ok, c'est bon. Attends. Viens. Ok. Ok. Fais gaffe, reste derrière moi. Ah oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Comment se faire enchaîner en 3 secondes? Zbra, zbri, zbrou. Allez, hop. Léon à terre, terminé. Léon. Avec, fais gaffe, reste derrière moi. C'est quoi leur problème? Mais je me trompe de bouton. Allez. Comment ça? Oui, non, mais je sais quand je l'ai capturé, je l'ai vu. Ah oui, ah bah on est mort. Speed boom. Prenez mon portable et foutez-moi la paix, putain. Bon, on va y aller doucement alors, vu que le jeu veut qu'on y aille doucement, on va y aller doucement. Reste à distance. Ok. Vu que le jeu veut qu'on y aille doucement, on va y aller doucement. Ah mais du coup, même quand tu lui dis à distance, elle... D'accord. Elle vient quand même, en fait. C'est juste elle prend ses distances. Elle reste pas figée. Ok. Rapproche-toi. Compris. Ouf, faut attendre vraiment que tout le monde passe, quoi. Du coup, c'est tac, tac. Mais là, normalement, il dit ouais, mais il y a des trucs à péter. C'est chiant, ça. Une arbre rouge qu'on avait laissé. Là, faut qu'on y aille. Tiroir verrouillé. Ah oui, c'était avec une petite clé, mais ça tombe bien, on en a une. Il y a le marchand là, ouais, tac, 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 sauvegarde. Petit hôtel. Ah oui, donc du coup, on a la clé, donc à la rigueur, on pourrait le faire si c'est pas trop chiant. On voit. Gaffe, reste derrière moi. Allez, cours. C'est quoi leur problème? Cours. Oui, mais attends, 2 minutes. 2 minutes. Arrêtez. Tan 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 tan.
Oh crap. Quand Ashley est immobilisée, si elle est attaquée, elle se retrouvera temporairement incapable de bouger. Elle mourra si elle est nouveau attaquée. Ah oui, donc du coup elle a 2 points de vie quoi. Ah ouais, oh bah oui, oh oui, oh bah fou. Oh oui, oh bah ça va être fun. Oh oui, ça va être giga fun. Ça va être la montagne du fun d'escorter Ashley. Oh la vache. Reste près de moi. Reste à distance. Ça marche. Oh ouais, ça va être la montagne du fun. Elle a 2 HP. Oh, ça va être la montagne du fun en fait. Ah ça c'est peut-être un gros point noir que vraiment ça je vais pas aimer. Parce que si elle a legit 2 points de vie. Ok. Après elle reprend de la vie de façon infinie. Mais 2 PV c'est pas beaucoup. Il y a des moments ça va être. Ça va être tendu. Hein. Et des moments, ça va être tendu. Hein. Surtout dans le château. Wow. Ah, il y a des moments. Ok. D'accord, je suis dessus. Hein. Oh. Oh là, oh bah oui, ah bah, allez hop, agression de barre. Ouais, bah, oui, bah. Qui m'attaque, qui me tire de. Qui me touche? Attendez, faut que je la soulève, Micheline. Tout va bien. Ah oui, ah bah ouais, ah bah oui, oh ça va être, oh ça va être magique. Ta bouche, putain. Là, tu es en train de cramer. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, allez, allez-y, oh allez-y. Bouge ton putain de fiac. Oh là 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 là. Oh ça va être magique. Oh qu'est-ce que ça va être magique. Aïe 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 aïe. Ah parce que moi j'en chie ma race. T'as terminé une requête, hein? Bien joué. Un travail bien fait mérite une récompense à la hauteur. En quoi puis-je t'être utile? Oh oui. Oh, ah. Ça t'en aura pour ton argent, je te le garantis. Alors, c'est le mon flingue préféré. C'est mon flingue préféré. Je me dois de l'acheter. Ah, la clé, je peux la vendre. Ok. La broche aussi. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre. Je vais vendre ça. Merci. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Bah, du coup, on peut vendre au pire le Punisher. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Parce que moi, j'aimerais bien acheter le Red Nine. Bah, en fait, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va au pire vendre notre flingue. Une affaire bien conclue. On va prendre le Red Nine. Ah, un pistolet pour les vrais collectionneurs. C'est mon flingue préféré. C'est une bien belle arme. J'adore. Donc ça, je prends. Sur un certain. Est-ce que ce sera tout? Est-ce qu'on peut le modifier tout de suite?
J'aimerais bien, c'est... pour répondre à tes besoins. Oh, y a qui ça t'épate, hein? C'est surtout ça que j'aimerais faire. Pour recharger plus vite et avoir plus de balles, c'est plutôt intéressant. Parce que de base, on était à 1,20. Là, on va être à 0,95. Et de base, on a 12 balles. Là, on n'aura que 10. Donc, il faut quand même... Tu peux me faire confiance. J'ai plein de choses intéressantes. Reviens quand tu... Ce que j'aimerais, c'est du coup l'envoyer au coffre et lui l'avoir sous le coude. Je veux surtout. Come back anytime. Mettre en raccourci 1. C'est vrai que le fusil, je pourrais le mettre en raccourci 2 au lieu de la grenade. Et le fusil, je pourrais le mettre en raccourci 3. Ce serait peut-être quand même mieux. Hop. Bienvenue. Bon, ça du coup, ça c'est bien. Ça, on va attendre quand même d'avoir plus. Trésor, ok. Ça n'a pas d'importance. Hop, on va sauvegarder. Par contre, ça va être la galère. Hein. Un chien sauvage rôde autour du village. Il est très facile à repérer, ne sent pas un chien normal. Au manoir du chef du village. Manoir du chef du village. C'était où ça? Ah bah c'était là en fait. Usine des affects. Ah non, manoir du chef du village. Wow. Ah oui, donc du coup tu peux... Oui, d'accord, tu peux vraiment squeeze et te balader un peu n'importe où. Parce que du coup là, si tu dois aller faire cette mission là... Là il y a un tiroir verrouillé. Ah oui, c'est vraiment que tu peux... Tu peux te balader n'importe où quoi. Ok. On est à combien? 1h47. Toi tu dégages l'odeur du con. On peut faire une pause? Désolé, ça devra attendre. Tant pis. L'odeur du con. Tu sens l'odeur du con. Ah, j'ai pas mis... Bon, en fait, il faudrait que je les vende plutôt. Ah, Anigan avait raison pour le temps. Ok, herbe rouge. Là-bas, il y a un tiroir qu'on peut rouvrir et le trou dans le mur. Tous en train d'être chiants. Aïe! Allume ton putain de truc. Ouvre ton putain d'inventaire. Est-ce que tu peux taper, Léon? Ah mais j'ai pas de couteau. Vous m'emmerdez. Mais elle m'a fermé la porte au nez. Elle m'a fermé la porte au nez. Ashley, là, tu m'as fermé la porte au nez.
failli crever par ta faute. Saloperie. Ah, je sais pas si je l'aurai dans le clip, mais... saloperie, quoi. On y va. Ok. Par ici. Attends. Elle m'a fermé la porte au nez, quoi. T'es obligé d'utiliser mes deux... putain, mes deux mélanges d'herbes. Merci. Bien joué. Bracelet élégant. Ah. Du coup. Hop. On va ouvrir le coffre avec la petite clé. Une boussole ancienne. Et donc. Ça, ça se revend juste 8000, ok. Ça, ça se revend 5000, mais on peut insérer des trucs. Peur, Micheline. Ok. Est-ce qu'on va faire le truc chien méchant? Non. Pas vraiment besoin. C'est pour des spinels, oui, mais bon. Donc du coup, pif pouf pouf. Je pense qu'on va aller de toute façon jusqu'à la prochaine sauvegarde. De l'argent. Bonjour. C'est par où? Bah oui, bah si, c'est par là en fait. Ah oui, du coup, vu que l'arme est suffisamment puissante, là on peut les faire tomber. Apparemment, on pouvait pas. Munition. Okay. Parce qu'avant, avec le flingue qu'on avait, on pouvait pas les faire tomber. Maintenant, on peut. Allez, sauvegarde. Est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer? On va au moins faire ça déjà. Ça, je vais le mettre là. Ça, du coup, on va le mettre là. On peut pas mettre ça dans le coffre? Ah non, on va falloir, du coup, les vendre. Hein. Allez, sauvegardons. Eh ben, on aura bien avancé, dites donc. Bien avancé. Donc là, du coup, ce qu'il nous reste à faire, la semaine prochaine, ça sera de d'arriver jusqu'ici. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a, parce que dans le jeu, jeu original, je sais plus ce que c'était là en plus. Là, c'était un truc qui était... Ah oui, c'est oui. Là, il y avait le truc avec la vache. Le chariot avec la vache.
Et après, on était descendu par là. Ça, c'était un des trucs, entre grosses guillemets, originaux. Oui, parce que du coup, en fait, le château, il est où? Maison du chasseur, vallée, carrière. Le château, il est là, en fait. Ah oui, donc là, en gros, là, c'est peut-être le chemin pour aller au château. Parce que là, du coup, en gros, si on suit le jeu original, prochain objectif, c'est le château. Arriver au château. Le château en entier. Et après, bah, y aura l'île bien plus tard, quoi. Là, du coup, oui, le prochain objectif, c'est le château. Ah non, c'est la... Ah, mais c'est la cabane, ici! Non. C'est la cabane? Ah, si c'est la cabane, j'ai pas le TMP, ça me fait chier. Mais, là, il y a un petit hôtel, faudra le faire. On va pas, j'oublie de le faire. Mais, ah oui, là, c'est la cabane! Non. Si? Ce serait la cabane, ici? Ah oui, il y a la cabane avant, avec Louis. Ben, c'est peut-être la cabane, ici. Parce que c'est après un pont et tout ça, dans le jeu original. Ah ouais, ça serait la cabane. Ah oui, prochain truc, c'est la cabane, avant le château. J'aurais dû acheter le TMP. Il n'y a pas de marchand pas loin. Non, le seul marchand, il est là, quoi. On va retourner là. Bon, si c'est la cabane, bah tant pis, c'est la cabane, on verra bien. On se prendra le TMP pour plus tard, ce qui est un peu con, parce que la cabane avec le TMP, c'est intéressant. On verra bien. En tout cas, là, on a le Red 9, donc du coup, ça peut se faire. On a le fusil, enfin le fusil à pompe. C'est vrai que le TMP aurait été cool, quoi. C'est vrai que le TMP aurait été cool. Mais on verra bien. On verra bien à ce niveau-là. Donc du coup, oui, il y a la cabane. Parce que là, je vois bien le truc avec l'escalier et tout ça. Ici, c'est la cabane. C'est sûr. C'est sûr, c'est la cabane. Et après, bah, du coup, ça sera le château et tout ça. Donc du coup, semaine prochaine, cabane. Et peut-être château. Et ça, ça peut être cool. En tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube Metroid02. À vous abonner au compte Twitter. À vous abonner à follow le compte Twitter. Metroid02 stream, où il y a donc du coup tous les plannings le dimanche. Alors, dans la journée, avant c'était dimanche matin sûr, mais là c'est dans la journée. Ou au pire le lundi, mais normalement c'est le dimanche, avec donc du coup donc le planning, les annonces de live et différentes informations au niveau du stream, s'il y a par exemple des streams annulés ou autres. Et surtout, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch Metroid02, celle-là même. Et surtout, d'activer la cloche pour avoir les notifications de lancement de live. Ça, c'est très important aussi. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une très bonne nuit. Et moi, je vous dis donc du coup à la semaine prochaine, mardi prochain pour du It Takes Two avec Neo. Mercredi prochain, on continue donc du coup Resident Evil Remake avec donc du coup la cabane, théoriquement. Jeudi, on continue Blood Omen 2. Et vendredi, ben, on commencera, je pense, le château. Où on continuera donc du coup le château de Resident Evil 4 Remake. Passez une agréable soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao !